n'est pas organisé par la mairie de Nangy, puisque la question a été posée à plusieurs reprises. Il a été proposé par la municipalité de mettre en place les conditions d'organiser un débat si des citoyens souhaitaient l'organiser sur les sujets nationaux, mais pas, pas du grand débat, qui n'ont que 4 thèmes avec des questionnaires très ciblés. Donc en fait, on est un peu contraints. Les citoyens qui sont autour de moi ont décidé de faire autrement. Donc la municipalité, vous le savez, a mis en place des cahiers de doléances il y a plusieurs semaines maintenant pour faire remonter les doléances et les propositions au gouvernement sur les sujets nationaux. Ces cahiers, il y en a 7, ils sont répartis dans la salle. Adeline, ici présente, a fait une petite analyse. En fait, elle a relevé tous les thèmes qui étaient traités dans ces cahiers de doléances pour que vous ayez une petite idée sur 54 contributions des sujets qui avaient été évoqués dans ces cahiers. Ça ne signifie pas qu'on va discuter que de ces thèmes-là, pas du tout, parce que c'est libre, hein, c'est pas un débat organisé par... Donc c'est ouvert. Ça vous donne une idée des doléances. S'il y a des sujets qui ne sont pas dans ces cahiers de doléances et qui vous tiennent à cœur, on vous encourage à remplir les cahiers de doléances et à noter vos propositions. Mon rôle va donc simplement consister à faire circuler la parole, à essayer de faire en sorte que personne ne la monopolise. Pour le reste, c'est Carl qui est présent, Adeline, Joël et Daniel qui sont citoyens de Nangy et qui vont organiser le débat comme ils l'entendent. C'est assez libre en fait, hein, il n'y a pas de contrainte. On a juste une contrainte, on s'est dit que 19h, 22h maximum, c'était bien, parce que sinon, voilà, qu'on ne passe pas la nuit ici. Sauf si vous avez des choses passionnantes à dire et que ça nécessite qu'on continue, personne ne coupera la parole. Le principe, c'est d'essayer de faire des interventions courtes pour qu'il y ait un échange multiple. Juste un petit mot, parce qu'ils sont partis à 5 et ils ne sont plus que 4. On a une habitante, Francine, qui est dans cette organisation depuis le début, mais qui a eu des gros problèmes de santé et qui m'a appelé ce matin. Elle assiste de tension, enfin, elle ne peut absolument pas se lever et elle est vraiment super désolée parce que elle était vraiment dès le départ très motivée pour pouvoir organiser et libérer la parole des gens. Donc je lui ai dit qu'on l'excuserait, ça ne retire rien à sa motivation. Voilà, donc. Je vais passer la parole à Carl maintenant et puis je vais me faire tout petit.